l'avez compris, aujourd'hui, on va parler fromage. La mission, c'est réaliser le plus beau plateau de fromage. Pour ça, 4 candidats, un vainqueur, on va se régaler. Le fromage à Rungis, d'abord, c'est le pavillon le plus cher à mon cœur, parce que c'est le plus grand plateau de fromage du monde. Il y en a 1200. Le fromage, c'est un moment à la fois où on retrouve les terroirs, nos régions favoris. Et donc, franchement, n'oubliez jamais le fromage. L'astuce pour un bon plateau de fromage, c'est de mettre les différentes variétés de fromage et de familles fromagères. Exemple, vous mettez une pâte pressée cuite, genre Comté, ou une pâte pressée non cuite, genre Saint-Nectaire. Pensez à vous, pensez aux autres. Mettez des formes, de la couleur, notamment avec des fruits de saison. Faites-vous plaisir, il faut qu'il y en ait plein, que ce soit gourmand, que ça donne envie. La règle est simple, il faut découper toujours une part de fromage pour que les gens osent se servir et libérer le fromage de la cuisine. Le jury technique a décidé de donner la victoire à Véronique, qui a réalisé un plateau vraiment très joli, pratique, avec des morceaux assez gourmands, et elle utilise des fruits et des couleurs de saison, donc ça répond complètement aux critères du concours. Pour moi, le coup de cœur, c'est le plateau de Mélanie. J'ai aimé le côté esthétique et graphique, l'originalité, les supports, la vigne, le mélange du côté végétal et l'harmonie avec les fromages. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le plateau de Véronique. Je l'ai choisi parce qu'il est coloré, les découpes sont bien faites et j'adore l'ambiance générale que dégage ce plateau. Tous ces plateaux étaient magnifiques. Un choix très serré, pas facile. Mais j'ai quand même choisi le plateau de Véronique parce qu'elle a choisi des produits de saison bien découpés, bien présentés avec des belles couleurs. En tout cas, bravo à tous les candidats. Moi, mon préféré, c'est celui de Véro. Président, encore un beau Rungis challenge. Que de challenge avec vous, Louise. Les fromages à l'honneur. Alors, il faut faire un choix. Qui est le grand gagnant du jour? Ils ont tous très bien travaillé. Leurs plateaux sont gourmands, authentiques, c'est vrai. Magnifiques. C'est vrai. On a envie de manger du fromage. Le gagnant? La gagnante est Véro. Bravo Véronique. Bravo.